C'est bon, ça enregistre le son? Super. Eh ben, on ne voit pas mes slides. C'est normal? Cool. Super. Eh bien, bonsoir à tous. Et là, je suis très content de venir vous voir aujourd'hui pour cette session sur Vertex. Donc aujourd'hui, on va parler d'applications réactives en général. Donc c'est un peu une introduction. Ça va durer à peu près 1 heure. Après, il y a un retour d'expérience qui sera fait par Guillaume ici. Peut-être que j'aborderai un peu sur l'heure si je n'ai pas tout terminé à temps, puisque je crois que ce retour d'expérience fait un peu moins de temps. Et donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Julien Viette, je viens de Marseille. Je suis développeur open source depuis 2003, en fait. C'est-à-dire qu'en 2003, j'ai commencé à écrire du logiciel open source et à contribuer à des projets. Et à ce moment-là, en fait, le paysage de l'open source mondial était complètement différent, en fait. C'est-à-dire que GitHub n'existait pas, Maven n'existait pas, on avait Ant, Tomcat, Eclipse n'existait pas, IntelliJ, c'était payant. Et en fait, tous nos projets étaient sur SourceForge. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, de contribuer à un projet open source qui s'appelait JBoss Application Server à l'époque. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu la chance de pouvoir être embauché, en fait, comme ça, de manière spontanée, et de rentrer dans une petite équipe qui a grossi, grossi, jusqu'à se faire racheter par Red Hat en 2006, donc où je suis toujours. Et donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de chance et l'opportunité de pouvoir faire quasiment toute ma carrière de développeur logiciel dans l'open source. Je suis aussi impliqué dans la communauté Java, et donc à Marseille, je m'occupe du Java User Group avec quelques personnes. Donc c'est un peu plus petit qu'ici, mais on fait des présentations régulièrement sur divers sujets variés, donc je suis un peu familier de ça. Et si vous voulez me suivre sur différents médias, il y a les URL. Donc, on va vraiment parler de réactif, les fondations, un peu de réseau, enfin de performance réseau, et puis on finira sur du RX Java, en fait, qui est une solution assez populaire pour écrire des applications réactives. Donc déjà, j'aimerais savoir ici qui connaît un peu le réactif, qui a une idée de ce que c'est. D'accord, et les autres, ben, je suis là pour vous en parler. Donc en fait, réactif, c'est un mot qui est assez surchargé aujourd'hui. Ça fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est même un peu, ça fait un peu buzzword en fait, puisque Vertex donc est là depuis quelques années, mais par exemple, Spring dans sa dernière version commence à aborder des choses réactives. Donc c'est un peu une tendance générale. Et même si vous regardez au niveau de Java et de l'écosystème Java. Si vous connaissez les JEP, qui sont les process d'amélioration aujourd'hui de Java, bah ces JEP tendent un peu à aller vers du réactif aussi, et des choses non bloquantes et ce genre de choses en fait. donc voilà. Donc voilà donc cette fabuleuse application pour les managers. Et donc si vous connaissez Excel, vous connaissez déjà un peu le réactif en fait. Une des idées de base du réactif, c'est vraiment qu'on va faire des modifications à des choses et ces modifications vont se propager de proche en proche sous forme d'événements, en fait. Donc réactif, c'est pas que ça, mais cette image nous permet de comprendre un peu ce qu'est le réactif et ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc voilà, mais la différence, c'est que bah, Excel, en fait, c'est une application qui est sur votre bureau, qui interagit très peu avec son environnement. Vous pouvez charger des fichiers, les sauvegarder, mais en général, tout se passe dans le même espace mémoire, et ce n'est pas une application distribuée, c'est vraiment ça. Et nous, ce qui nous intéresse plus, c'est des applications à base d'événements, mais en général qui sont distribuées, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'interactions avec leur environnement, sous diverses formes, que ce soit fichiers, autres process, réseau, envoyer des messages, recevoir des messages. Et donc voilà, donc c'est ce genre d'application entre guillemets moderne qu'on va étudier. Alors quand je dis moderne, c'est en fait effectivement nos applications, elles ont tout le temps fait du réseau depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les sollicitations diverses et variées qu'on peut avoir pour nos applications sont extrêmement variées. Votre application peut très bien être une application avec beaucoup de clients mobiles qui accèdent juste à une base de données, ou vous pouvez faire de l'IoT et donc à ce moment-là avoir des interactions sur des protocoles différents. Et donc notre application en fait distribuée. Alors même si on parle juste d'une application classique, on va dire avec un navigateur
votre serveur et votre base de données, c'est aussi une application distribuée, vu que vous utilisez une base de données, vous avez des clients, ou enfin, ça peut être plein de choses différentes. Et ces applications distribuées sont soumises donc à de plus en plus de charges, doivent être de plus en plus évolutives. C'est-à-dire, en fait, effectivement, notre application 3 tiers des années 2000, aujourd'hui, bah, elle a évolué, on a dû rajouter du mobile, on a dû rajouter de l'enregistrement de métriques, ce genre de choses, envoyer des messages. Et donc, nos applications sont soumises à énormément de sollicitations pour plein de choses. Déjà, le service qu'elles font, mais aussi, elles doivent répondre à des besoins de collecte de métriques, de mise en disponibilité, de health check pour voir si l'application est toujours là, pour éventuellement, si elle n'est pas là, la relancer dans un environnement cloud, et ce genre de choses, en fait. Et donc nous, on a ce slide, en fait, qui essaie d'expliquer un peu ce qu'est le réactif. Expliquer un peu. En fait, ça essaie de déblayer un peu les aspects. Enfin, comme j'ai dit, le mot réactif est un mot assez surchargé, et ça veut dire pas mal de choses. Et j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps pour parler de ça. Donc, aujourd'hui, on pourrait, entre guillemets, catégoriser ça en trois grandes parties qui sont liées entre elles, en fait. Alors, il y a la partie réactive système, où là, on considère vraiment les choses en tant que système. Là, on parle d'application distribuée, en fait, dans Reactive System. Il existe un manifesto qui définit les propriétés d'une application réactive, enfin, d'un système distribué plutôt réactif. Et en fait, l'idée derrière, c'est d'avoir des applications qui sont faciles à scaler et qui aussi qui sont tolérantes aux pannes. Donc en fait, il y a aussi l'idée un peu derrière de microservices. Puisque au lieu de prendre votre application et de faire une grosse application monolithique, c'est que votre application est cassée en plusieurs services, chaque service est indépendant, et surtout chaque service est programmé et implémenté de telle manière à ce qu'il puisse tolérer les pannes. Donc souvent avec des choses comme des circuit breakers, ce genre de choses en fait. Et donc de pouvoir fournir toujours des réponses dégradées à l'utilisateur, plutôt que de ne pas fournir de réponse du tout. Donc ça, c'est les parties. En général, les autres propriétés aussi, c'est que c'est des applications qui sont asynchrones et non bloquantes. Et non bloquantes, c'est quelque chose qu'on va voir ce soir, qu'on va étudier. Enfin, c'est même un des points principaux aspects qu'on va étudier. Donc, qui permettent aussi, qui sont en général nécessaires pour pouvoir implémenter ce genre de système, en fait. Puisque quand votre application, par exemple, va accéder à un back-end qui ne va plus être disponible, à ce moment-là, les différents threads de l'application pourraient être bloqués. Et ne pas, comme elles sont bloquées par exemple sur une IO, elles ne peuvent pas répondre, vous ne pouvez pas facilement renvoyer une réponse à l'utilisateur en lui disant au bout de 15 secondes ou au bout d'un certain temps, dire bah, en fait, soit prendre une réponse dans le cache et l'envoyer directement à l'utilisateur ou dire bah, on ne peut pas répondre, reviens plus tard, reviens nous demander plus tard en fait. L'autre partie c'est donc réactif, c'est réactif programming. Alors là on va l'étudier aussi un peu ce soir. Alors réactif programming en fait, c'est lié, mais ça n'a rien à voir avec les systèmes réactifs. Reactive programming, c'est vraiment une manière d'écrire vos applications basée sur des flux de données, en fait, en général finis ou infinis. C'est-à-dire, par exemple, un stream de données où on va voir dans l'exemple, on aurait des métriques. Des métriques ne s'arrêtent jamais, en fait. Le système que vous monitorez, il ne s'arrête jamais. Et le reactive programming permet, donc avec RxJava, par exemple, de prendre ces flux de données et de les transformer avec des opérateurs et avec une manière un peu inspirée du Functional Reactive Programming. Si vous connaissez en Java l'API Java Util Stream, bah vous pourriez voir un peu quelque chose d'analogue dans la manière de créer des pipelines de données qui se modifient en fait. Mais la grosse différence, et on verra, c'est que ces streams, au lieu d'être synchrones, ils sont non bloquants et asynchrones. C'est-à-dire on est là aussi sur de l'event driven. C'est-à-dire plutôt que d'attendre une donnée comme un itérateur, on va plutôt réagir quand une nouvelle donnée va être disponible et on va mettre à jour notre état et propager et éventuellement émettre de nouveaux événements en cascade en fait. Donc c'est une manière un peu différente de faire les choses. Et Reactive Streams, bon, je ne vais pas en parler beaucoup ce soir, mais en fait c'est une spécification en fait de 3-4 classes qui est incluse dans Java 9 sous un nom différent qui s'appelle Flow en Java 9. Et qui donc, le but de Reactive Streams, c'est de permettre l'interopérabilité entre les systèmes réactifs. Donc l'idée de base, c'est j'utilise Vertex qui implémente Reactive Streams, j'utilise AK qui implémente Reactive Streams. Grâce à Reactive Streams, je vais pouvoir utiliser Vertex et AK en même temps et propager l'aspect réactif d'une application à l'autre, en fait. Donc c'est ça.
Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Vertex donc, est présent dans les trois cas. En fait. C'est-à-dire Vertex fournit, vous pouvez créer des applications distribuées, on implémente les Reactive Streams et on fournit optionnellement, pour ceux qui le désirent, du Reactive Programming quand vous écrivez votre application. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et parce que si quelque chose vous taraude, bah peut-être que d'autres personnes dans la salle pourront bénéficier aussi et se posent la même question. Voilà, donc moi je suis le project lead de Eclipse Vertex depuis 2 ans. Donc c'est un projet open source démarré en 2012 qui est assez connu. Et donc, qu'est-ce que Vertex ? Vertex, on dit que c'est un toolkit pour écrire des applications réactives. Alors, par toolkit, on veut dire que, en fait, c'est un ensemble de librairies ou de composants que vous pouvez choisir pour utiliser votre application. En général, on part tous de Vertex Core, qui est la brique de base de Vertex. Et après, on choisit les composants qui nous intéressent. Par exemple, Vertex Web pour écrire des applications web. Vertex Drop Wizard Metrics, si on veut faire du monitoring, monitorer l'application avec Drop Wizard, accès aux bases de données, RxJava, et après on a des intégrations plus poussées vers des systèmes de messaging tels que par exemple MQTT, Kafka, ce genre de choses en fait. Donc c'est basé sur Netty. Alors Netty c'est une brique assez connue aussi en Java pour écrire des applications réseau très performantes. Et aussi, donc, un des points de Vertex, c'est Vertex est polyglotte. Donc, quand vous écrivez votre application, elle sera de base en Java. C'est-à-dire que si vous prenez Vertex Core, les différents composants sont en Java. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire votre application dans différents langages qu'on supporte sur la JVM. Donc JavaScript, Groovy, JRuby, Scala et Kotlin, qui sont les deux derniers qui ont été rajoutés. Voilà, donc parlons un peu des fondations réactives. Donc on va parler pas mal de concurrence, en tout cas quand on parle d'applications réactives, on parle pas mal de concurrence. Et ce mot-là, en fait, c'est un mot qui est assez mal compris en général par les gens, surtout en Java, où souvent les gens, par exemple, confondent concurrence, asynchrone et parallélisme, ce genre de ces acronymes, enfin c'est pas ces acronymes, c'est différents mots. Et donc là, par concurrence, nous ce qu'on dit, c'est en fait, on va voir qu'une des particularités des applications non bloquante, c'est qu'elles tournent avec peu de threads et qu'avec peu de threads, elles arrivent à gérer beaucoup de requêtes en même temps. Donc voilà. Si vous écrivez beaucoup d'applications, j'imagine que la plupart d'entre vous ont tous ici fait une servlette dans leur vie. Qui a fait une servlette ? Qui en fait encore ? Enfin, ou juste basé sur de la servlette, que ce soit Spring ou je ne sais pas quoi. En fait, ce genre de runtime utilise un thread par requête. C'est-à-dire que quand vous démarrez une requête HTTP, le thread va être le même pendant toute la requête et il va appeler la base de données et il va écrire les données dans le tuyau de sortie de la servlette. Et dans le cas de Vertex, en fait, et des systèmes, ce genre de système, c'est un peu comme Node, en fait. On a un thread ou plusieurs, mais chaque thread va gérer beaucoup de requêtes en même temps. Et c'est ça qu'on veut dire par l'idée de concurrence. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en même temps, et ce n'est pas des choses qui sont forcément parallèles, puisque ça va être un seul thread qui va le faire. Donc en général, ça va être un cœur de votre CPU qui va gérer beaucoup de choses en même temps. Et donc on va étudier ça d'abord, le modèle de concurrence, et aussi le modèle de scalabilité. Effectivement, si vous êtes habitué à du bloquant, la scalabilité, c'est quand je scale mon application, c'est je dois augmenter bien sûr le nombre de connexions vers la base de données, par exemple. Mais si je n'augmente pas mon thread pool en front, de mon serveur de servlette, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de connexions potentielles à la base de données puisque ça fera bottleneck. Et de vice-versa, si vous avez beaucoup de threads en front mais pas beaucoup de connexions en base de données ouverte, eh bien toutes vos threads vont piler sur le connection pool à attendre d'avoir une connexion qui s'ouvre. Donc ça c'est un code typique en fait d'application bloquante. Donc c'est simplement quelque chose qui lit du texte dans un buffered reader, donc une API synchrone, et qui l'écrit dans un buffered writer. Et là où on voit ce qu'on voit en rouge ici, là et là, c'est les potentiels points où votre application peut bloquer. C'est-à-dire au premier, quand on lit des données, eh bien si aucune donnée est disponible,
Le buffered reader, lui, il va stopper le thread courant, il va le suspendre. Et quand des données sont là, éventuellement, il va les donner. Et le buffered reader, lui, va essayer de détecter un backslash R, backslash N ou un backslash N selon votre OS. Et dès qu'il trouve ça, il vous renvoie une ligne. Et après, vous essayez de l'écrire ici, ou de l'écrire ici, ou n'importe où. Et là encore, si quand vous écrivez dans le buffered writer, s'il est plein, votre application va bloquer jusqu'à ce que le buffer soit vide et puisse continuer en fait. Donc là, on a toujours la garantie que, par exemple ici, quand on revient ici, si le buffer était plein, enfin qu'on a écrit ça, alors soit c'est dans le buffer, et si le buffer était plein, on a la garantie en général que ce qui était dans le buffer qui était en plus a été écrit dans la suite en fait. En général, c'est plutôt le système de fichiers ou l'output stream. Et le problème de ce genre de choses en fait, c'est que quand on veut scaler et qu'on a vraiment un gros besoin en entrée-sortie, c'est-à-dire on veut avoir servir beaucoup de clients en même temps, et ben ça pose un problème de scalabilité puisque un thread dans l'OS, ça a un coût. Alors ça a divers coûts divers et variés. Déjà, ça coûte de la mémoire. Puis après, il y a toujours ces fameux coûts de context switching où quand le CPU va passer d'un thread à un autre, ça va coûter un peu de CPU à faire. Sans parler des caches, puisque si vous avez le même CPU qui sert à deux threads qui font deux tâches totalement différentes, si le premier thread avait des données en cache, le deuxième thread va commencer à utiliser le CPU, faire des choses et va mettre des choses en cache. Alors là, je parle de cache CPU, va mettre des choses en cache CPU et quand on va revenir au premier thread, le premier thread, ce qui était en cache CPU, il y a de fortes chances que ça y soit plus en fait. Donc c'est en termes de performance, ça peut être un problème. Et donc l'idée en fait, dans le non-bloquant, c'est de ne jamais bloquer. Donc notre thread va tout le temps être, soit il va rien faire, et donc il va attendre que des tâches arrivent. Mais en tout cas, quand il va faire des tâches, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas bloquer. Donc s'il a beaucoup de tâches à faire, il va tout le temps faire des tâches. Et dès qu'il y a des entrées-sorties, on s'arrange, grâce aux API Java non bloquantes, pour que ces tâches bloquantes ne soient pas bloquantes, puisqu'on utilise Java NIO, qui sont les. Je ne sais plus si NIO, c'était Non-Blocking IO ou New IO. En tout cas, on peut, grâce à ces technologies, arriver avec un thread à gérer, par exemple, 1000, 10 000, voire même plus, de requêtes HTTP en fait, par seconde, simultanées. Et donc, les deux tâches qu'on avait avant, écrire et lire, eh bien, quand je lis, je fais d'abord ma première tâche. À ce moment-là, mon application va faire quelque chose d'autre. Et quand je vais avoir des données qui arrivent à lire, dans mon application, ça va être traité comme un événement en fait. Donc là, dès que des données sont disponibles, ça va être traité comme un événement. Et quand les données sont là, je vais recevoir cet événement et mon application va pouvoir continuer en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un peu un système de continuation. Donc le système de continuation, il y en a plusieurs. Nous, on va voir celui essentiellement de Vertex. Et donc on travaille avec ce système d'event loop. Alors qu'est-ce que l'event loop? C'est un peu ce que j'ai décrit avant. En fait, c'est juste un thread qui tourne. Il y a une tâche d'événement. Et au départ, cette tâche est vide. Et puis des événements s'y rajoutent. Par exemple, vous démarrez votre serveur HTTP. Un client arrive. Ça crée un événement. Il y a une requête HTTP qui est mise dans l'event loop, dans la queue. Ça, c'est défilé, c'est exécuté. Et puis forcément, si votre application ne fait pas un Hello World, mais par exemple va faire accès à la base de données ou à un autre accès, on va créer des nouvelles tâches. Enfin, cette exécution de tâche va créer des nouvelles tâches qui vont être ajoutées dans la queue. Et donc, on va passer notre temps à faire ça, en fait. C'est la manière exacte dont ça fonctionne. Alors, Vertex fournit par défaut, vous avez deux event loops par CPU. Donc, si vous avez 8 cores, ça vous fait 16 event loops. Alors, elles ne vont pas être toutes utilisées en même temps. On va le voir après dans la scalabilité, comment elles sont utilisées. Et donc ça, c'est une application typique Vertex, qu'on va décortiquer rapidement. Alors, un des points aussi essentiels de Vertex, qui est important à connaître quand on l'utilise, c'est que si vous avez l'application de. Si vous avez l'application, si vous avez
l'habitude d'application que vous faites un OAR, que après vous prenez ce OAR, vous le déployez, ou ce genre de choses. Dans Vertex, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de jars, de librairies. Et créer, par exemple, un serveur HTTP, vous n'avez pas besoin de packager quelque chose et de le déployer. C'est-à-dire, vous, comme on voit ici, vous créez votre serveur HTTP, vous faites un listen et vous démarrez votre serveur HTTP. Donc, si vous voulez démarrer 10 serveurs HTTP dans un main, vous pouvez. Donc, en fait, en général, Vertex est plutôt embarqué. On déploie pas, on peut déployer avec Vertex, mais en général, on embarque Vertex, on fait un fat jar et vous, là, à ce moment-là, vous démarrez tous les composants que vous voulez, en fait. Donc là, l'exemple typique, c'est je crée Vertex. Donc ça, en fait, quand on crée Vertex, ça crée l'objet entrée. À la fin, on n'oublie pas de le fermer pour relâcher, comment, je sais pas comment dire en français, release, pour libérer toutes les ressources associées. Par exemple, une event loop, c'est une ressource. Ouvrir un serveur HTTP, c'est une ressource en tant que file descriptor du système. Ensuite, on crée un contexte. Alors, la notion de contexte, c'est en fait c'est une event loop, plus ou moins. Donc, c'est une association d'event loop et de données. Donc là, quand on fait get or create contexte, ça crée une event loop. Et si je l'appelle deux fois, en fait, ça va créer une deuxième event loop. Donc, par exemple, si ce code-là, je le répète deux fois, ça va créer deux serveurs HTTP sur deux event loops différentes. Après, je fais un run on contexte. Et après, je crée mon serveur HTTP et je le démarre. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'event-driven. Et après, j'ai ma requête HTTP qui arrive là, et là, je la traite. Et là, effectivement, il y a peu de différence avec ce que vous êtes habitué à voir en servlet, par exemple, parce qu'une servlet aussi, on a un événement. Enfin, dans ce genre de choses, dès que quelque chose arrive, on a un événement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas notre temps dans une servlet à poller une queue d'HTTP server HTTP request. Alors ça, c'est la manière de faire si on veut tout faire. Oui, question. Oui. Alors ça dépend. Alors il y a get or create. Alors si on est dans un... Alors voilà, après il y a la notion de thread. Alors la question c'est si on fait get or create context, on va devoir une deuxième event loop. Ou on va avoir la même. Tout dépend du thread courant. C'est vrai que c'est intéressant de l'expliquer. Oui, voilà, c'est ce que je vais expliquer. Voilà. Donc, si on est dans un thread qui n'est pas un thread de Vertex, par exemple un main, ce qui est souvent là, on suppose qu'on est dans un main d'une application ou dans un test unitaire, par exemple, donc ce serait le thread de JUnit. À ce moment-là, ça va créer un contexte, donc ça va faire une event loop, et après, quand je vais faire ça va l'exécuter sur l'event loop, en fait. Par contre, si j'étais déjà dans un thread Vertex, si je fais get or create context, là c'est le get qui va s'appliquer et donc je vais récupérer le contexte courant. Donc ce qui me permet, quand je suis dans une event loop, quand je fais get or create context et que je fais un run on context, d'exécuter les tâches sur l'event loop courante et pas sur une nouvelle event loop. Voilà, ça c'est. Donc ça c'est la manière de faire embarquer. Une autre manière de faire serait, voilà, dans Vertex on a aussi une notion de vertical, donc qui est l'unité un peu de déploiement, alors pas de déploiement. De packaging plutôt, alors soit fonctionnel, c'est-à-dire un vertical par exemple va implémenter une fonctionnalité dans notre application, et après on verra comment les verticals peuvent communiquer entre eux, mais aussi en termes de scalabilité, c'est-à-dire par défaut quand on va déployer un vertical, on verra, on le déploie sur une event loop, mais si on veut, on peut le déployer sur plus d'event loop pour changer sa scalabilité, pour le scaler plus. Donc là c'est le même code. Comme avant, la différence c'est que le code, donc je crée toujours Vertex et par contre je déploie le vertical en donnant le nom de la classe en fait, et Vertex va se débrouiller pour charger la classe, l'instancier et puis la déployer. Quand on fait du Vertex dans un autre langage que Java, en fait on déploie aussi des verticals. Par exemple, si vous faites du JavaScript, vous faites aussi déploy vertical. Mais ici, au lieu de donner le nom de la classe, vous donnez le nom du fichier JavaScript, du vertical en JavaScript. Donc ce soir, on va pas voir beaucoup d'autres langages que Java. Mais donc chaque langage, après, a ses verticals, en fait. Et à la fin, c'est tous les mêmes verticals pour Vertex. Mais vous avez un vertical en JavaScript, un en Java, un en Kotlin, un en Scala, un en Celon.
Et l'idée aussi, c'est que tous ces verticals, quand on les lance, on peut avoir des verticals dans différents langages. C'est-à-dire dans le même vertex, on peut avoir un vertical en JavaScript et un vertical en Groovy qui vont communiquer. Et comme ils vont communiquer en général avec du JSON ou ce genre de choses, on n'aura pas de problème de classe ou ce genre de choses en fait. Parce que JSON, ça va être le dénominateur commun à peu près à tous les langages. Donc voilà, donc une application typique, voilà, c'est on crée son vertical, on le configure et après on le déploie. Et là, par exemple, dans mon exemple, je déploie deux verticals et chacun va avoir une event loop différente. Et donc voilà. Donc par exemple, si mon premier vertical c'est un serveur HTTP et mon deuxième vertical c'est un autre serveur HTTP sur un port différent, eh bien chaque serveur HTTP va avoir une event loop différente. Et donc en fait, ça va permettre, si l'OS fait bien son job, de mettre un thread sur un CPU core et l'autre thread sur un autre core du CPU en fait. Et donc voilà. Alors dans le get orchestrate context, tout à l'heure j'ai dit que on fait deux fois on crée par défaut deux fois le nombre d'event enfin, le nombre d'event loop, c'est deux fois par défaut le nombre de CPU. Quand on fait get or create context, ça crée une event loop. Quand on arrive au bout, en fait, au bout des 16 event loops, par exemple sur mon MacBook Pro, on retourne sur la première. Donc si vous créez par exemple plus de 17 verticals, alors que j'ai 16 event loops, je vais avoir un nouveau contexte. Le get or create context va renvoyer un nouveau contexte, mais ce contexte sera sur le même thread que le premier en fait. Oui, on le verra après. On va en parler après. Effectivement, c'est un des points de la scalabilité aussi et de la manière dont on peut scaler une application. Alors une chose importante à comprendre aussi, c'est que là, par exemple, j'ai fait un chat vertical à base de WebSocket. Donc ça se fait très simplement, hein. Je crée mon HTTP serveur, je mets un WebSocket handler. Là, j'ai une WebSocket qui arrive. Et puis, comme c'est event-driven, on met des handlers un peu de partout, en fait. Les handlers, c'est une manière de recevoir des événements. Alors nous, on a choisi dans Vertex, comme on est polyglotte. Souvent, on va vous demander d'implémenter une interface où vous auriez un callback pour chaque type d'événement. Dans Vertex, on a une granularité plus fine, on a des handlers et donc vous n'avez pas besoin d'implémenter une interface. Et grâce, comme aujourd'hui la plupart en tout cas en Java, maintenant on a les lambdas depuis Java 8, ça permet d'écrire plus facilement ce genre de choses en fait. Donc ici, je mets un handler, là c'est une lambda, où je vais traiter chaque message. Et là, en fait, c'est une histoire d'un chat en fait. Dès que je reçois un message, j'itère toutes mes sockets ici, mes WebSockets, et puis j'écris le message que j'ai reçu dans les autres. Donc si quelqu'un poste depuis son navigateur un message, tout le monde va le recevoir, parce que tout le monde, toutes les requêtes, toutes les WebSockets vont être enregistrées ici en fait. Et puis quand j'ai un close, je supprime la WebSocket, et puis quand j'en ai une nouvelle, en fait, normalement, elle est ajoutée ici, voilà. Mais le point important ici, en fait, c'est que si vous aviez fait ça en servlet, est-ce que vous auriez utilisé un hset ici en servlet? Non, qu'est-ce que vous auriez utilisé probablement? Personne ne sait. Pardon? Voilà. L'idée, c'est que, effectivement, dans un code classique multithreadé, votre hset ici, on aurait dû utiliser un collection.synchronize set. Et là, en fait, l'idée aussi, en termes de performance et aussi de raisonnement en termes de concurrence, c'est que le thread ici, ce thread qui va appeler start, ou le text message handler, ou tous handler, ça va être toujours le même thread qui va appeler votre vertical, en fait. Et comme c'est toujours le même thread, vous n'avez pas de précaution à prendre quant à la synchronisation, alors que ce soit pour la consistance des données, l'accès exclusif à des données ou la visibilité, enfin toutes ces sémantiques que fournit Java Memory Model et le mot-clé synchronized ou les différentes choses similaires qu'on a. Donc on peut utiliser juste un hset. Donc ça nous permet de raisonner différemment. Alors déjà, c'est un peu plus performant. Et ensuite, en termes de raisonner, en fait, vous avez la garantie que comme c'est toujours le thread, un seul thread, si vous faisiez par exemple créer une WebSocket
Si vous avez ici, on avait une concurrente HMAP. Quand on récupère, quand on envoie un message et qu'on itère ceci, en fait, et qu'on récupère une WebSocket, peut-être que de manière concurrente, l'application, un autre thread pour accéder à cette HMAP et supprimer la WebSocket de cette HMAP, en fait. Donc, même quand on utilise des structures de données concurrentes telles que concurrente HMAP, on doit toujours souvent réfléchir à quand je mets quelque chose dans la map, on peut faire un put, ou avec une concurrente HMAP, on peut faire un put if absent pour avoir des garanties et puis faire des loops pour être sûr qu'on a la bonne concurrence de ce qu'on veut. On doit raisonner comme ça, en fait. Et là, comme c'est un seul thread, vous n'avez pas besoin de raisonner comme ça. C'est-à-dire, quand vous faites un put dans la... Quand vous faites un get, par exemple, dans une map, et si quelque chose n'est pas dedans, vous le mettez, vous êtes sûr que personne... qu'il n'y aura pas... Entre le get que vous avez fait et le put que vous allez faire, aucun autre thread va modifier cette HMAP. Donc, vous êtes sûr que personne n'aura modifié ça, et le put va être effectif. Donc, voilà. Donc, ça permet de raisonner différemment. Sur les locks aussi, ça permet de raisonner différemment, on raisonne différemment, c'est-à-dire on n'utilise plus le mot-clé synchronized, puisqu'on est sûr que l'accès à ces champs-là, en fait, va être exclusivement fait à mon thread. Donc tout est monothreadé, mais en fait, on reconnaît aussi souvent qu'on a des tâches bloquantes à faire, notamment quand vous utilisez des API bloquantes, parce qu'aujourd'hui, le JDK fournit encore beaucoup d'API bloquantes. Par exemple, si vous faites un URL sur l'objet HTTP URL Connection, vous voulez récupérer quelque chose, ça va être bloquant, en fait, et ça va bloquer le thread. Et donc, si vous faites ça dans l'event loop, la conséquence, c'est que dès que vous bloquez l'event loop, eh bien, forcément, quand vous bloquez l'event loop, vous ne processez pas toutes les tâches qui sont en attente. Donc, ça veut dire simplement que ça bloquera, par exemple, sur votre HTTP server, ça va bloquer votre HTTP server, et votre HTTP server, s'il est bloqué pendant 5 secondes, il ne va traiter aucune requête et ne rien envoyer, en fait, parce qu'il est bloqué. Donc, il ne faut jamais bloquer. Et donc, quand on utilise des API bloquantes, dans ce cas-là, on a un outil d'échappement qui s'appelle Execute Blocking. On lui donne deux lambdas. La première lambda va exécuter du code sur un pool de threads spécial qui s'appelle le worker pool, où là vous pouvez bloquer, que vous pouvez dimensionner. Et une fois que vous avez exécuté cette tâche, le résultat de cette tâche, vous le donnez à une future, à un objet, vous le retournez, en fait. Et le résultat de cette tâche va être passé à la deuxième lambda en argument. Et cette deuxième lambda, elle, va être exécutée sur l'event loop qui est appelé execute blocking. Donc, on revient sur l'event loop de base avec le résultat qui a été exécuté dans le worker. Donc, voilà. Donc, on a ce worker pool. Alors, on a aussi une notion de worker vertical. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup, mais typiquement, quand on a vu avant qu'on déployait un vertical, par défaut, c'est sur un event loop. Mais quand on le déploie, on peut dire déploie-le sur un worker, sur le worker pool. Et à ce moment-là, quand on va être exécuté, le getter create context qu'on va avoir, le contexte, va être un contexte associé à un thread du worker pool. Donc ça ne va pas toujours être le même thread, et avec ce thread-là, vous pourrez bloquer. Donc le modèle de déploiement, voilà. Par exemple, si je déploie mon HTTP server sur trois instances, là je veux trois instances, donc il va déployer trois instances. Donc concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va instancier trois fois HTTP vertical. Chacun va avoir ses champs privés, donc va travailler indépendamment des autres. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, c'est la question qui a été posée tout à l'heure, c'est si on fait ça, logiquement, on devrait avoir un problème au niveau du si on bind sur le port 80, on a un problème de bind, puisqu'on a déjà le premier vertical, logiquement, va binder et va la socket, le serveur socket. Mais le deuxième vertical va essayer de faire pareil et ne va pas y arriver, en fait, puisqu'il y en a déjà quelque chose qui est là. Et en fait, là, Vertex fait un peu de quelque chose pour vous, en fait. C'est que quand on démarre un deuxième HTTP serveur, ou n'importe quel serveur, en fait, que ce soit un serveur HTTP, mais ça pourrait être par exemple avec Vertex MQTT, ça sera un serveur MQTT, ça marchera pareil. Le deuxième, en fait, va en fait juste ajouter l'event loop dans la liste des event loops que le serveur va utiliser. Donc quand une nouvelle connexion se crée, Vertex va, le serveur HTTP dans ce cas-là,
va faire un round robin sur les event loops et les choisir une par une pour dispatcher les requêtes, les connexions, pas les requêtes. Donc si vous avez trois connexions qui sont faites et que vous avez dans ce cas-là, chaque connexion va être gérée par par une event loop différente. Donc ce qui vous permet donc de scaler l'application sur plusieurs corps. Donc par défaut, en général, on essaye de dimensionner ce nombre-là selon la charge, selon la latency, la latence qu'on veut, qu'on s'attend à fournir en temps de réponse, et la charge qu'on va avoir en front, forcément. Ouais. Je le déploie trois fois dans le vertex. Ouais. C'est vertex qui fait le balancing. C'est ça. C'est ça. J'ai lancé qu'un seul jar avec vertex. Ouais. Okay. J'ai dit aussi que les variables, du coup, étaient privées à chacun des articles. Dans l'exemple des WebSockets, du coup, ça marcherait plus. Oui, alors là, vertex fournit une structure de données qui s'appelle shared data, qu'on peut utiliser pour partager des données entre threads. Voilà. Là, on pourrait faire différemment. Là, ce qu'on pourrait faire, on verra après les event bus, on pourrait le faire si chacun garderait son H7 privé, enverrait un message à tout le monde et enverrait un message sur les event bus aux autres verticals. Et les verticals, quand ils reçoivent ce message, vont relayer ce message à chacune de leur WebSocket et t'arriverait à la même chose. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que souvent, effectivement, quand on a un problème de communication entre corps, on a besoin d'échanger des données entre corps, entre threads. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière où on partage des données, dans par exemple un cache partagé, ou une structure de données partagée, qui va avoir des coûts de synchronisation. ou l'autre manière de faire, en général, c'est d'échanger des messages, faire ce qu'on appelle du message passing. Et en général, le message passing vous demande un peu plus de réfléchir un peu plus, mais en général, c'est beaucoup plus efficace en termes de performance. Donc voilà, donc dans notre cas, on va arriver à ce résultat en fait, où chaque connexion va être dispatchée sur un corps différent. Le nombre d'instances, il peut être modifié ? Non. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire un deploy et deploy sans dynamique. Donc ici, dans le cas d'avant, au lieu de faire deploy instance 3, ce que j'aurais pu faire, c'est déployer, appeler trois fois avec le même vertical en fait. Ça n'aurait pas changé grand chose. Question? Oui. Non. Non, c'est assez simple. En général, quand vous recevez une connexion, vous essayez le plus rapidement de la dispatcher. Donc déploiement de modèle, par exemple, ce que je peux faire, c'est mon serveur HTTP et mon database vertical. Là, je peux choisir de le mettre sur 5 event loops et sur 2 event loops par derrière, ou je peux sizer différemment. Voilà. Après, comme c'est distribué, on verra ça avec les event bus, on peut après, si on veut après, les verticals par défaut communiquent par échange de messages. Et donc, si vous utilisez les event bus qu'on verra après, vous pourrez aussi distribuer votre application sur différentes JVM aussi. Donc vous pouvez commencer localement avec vos verticals, puis après les distribuer. Le log distribué? Donc la question c'est, parce que sinon ils n'entendront pas, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a quand on veut coordonner des choses de manière distribuée. C'est plus ou moins ça la question. Et donc là en fait Vertex fournit, alors on ne le verra pas aujourd'hui, mais fournit, j'ai parlé de la partie shared data, on a aussi la partie, j'ai dit tout à l'heure, Vertex pouvait être utilisé pour faire des applications distribuées avec Reactive Systems, et donc on fournit par défaut des logs distribués en fait. Et le shared data qu'on a, il peut être aussi distribué. Donc en fait, on peut vraiment faire des applications distribuées avec Vertex. C'est juste qu'on ne va pas en parler beaucoup ce soir, mais
c'est bien documenté. Voilà, donc parlons un peu rapidement de networking et de performance. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, je vais être plutôt bref. Donc voilà, donc Vertex fournit donc du non-blocking I.O. On fournit aussi ce qu'on ne va pas parler ce soir de backpressure, parce que c'est un sujet assez technique, mais fournit de la reactive backpressure. Mais l'idée là, en fait, c'est que la backpressure, c'est quand on a quelqu'un qui écrit plus vite des données que ce que l'autre peut lire. Eh bien, à un moment donné, il faut que celui qui écrit des données plus vite, il s'arrête dans le moment de l'envoyer. Sinon, soit je vais devoir les discarder, ou soit je vais devoir les garder en mémoire. Mais si je les garde en mémoire, à un moment donné, je vais avoir un autre problème. Donc, enfin, on ne peut pas bufferiser tout ça. Et comme on a vu avant, en fait, dans un modèle bloquant, la backpressure, en fait, se base sur le fait que les threads bloquent. Donc, dans mon writer qu'on a vu tout à l'heure, je bloque pour écrire. Et bien, quand je bloque pour écrire, forcément, mon thread, il peut plus aller lire les, il peut pas retourner dans le reader chercher des données. Donc, naturellement, il va pas chercher de données, il va pas chercher à en faire quelque chose. Et dans le cas des non-bloquants, en fait, cette backpressure, elle est gérée, et bien, explicitement, sous forme de callback, en fait. Enfin, c'est géré d'une manière où la demande d'items, enfin de buffer par exemple, que le consommateur peut recevoir est transmise au producteur en fait. Donc on va pas vraiment parler. Donc pay the right price, ça l'idée c'est en fait, voilà, j'en ai pas énormément parlé, voilà, Vertex c'est quand même relativement très léger. Petite empreinte mémoire, ça démarre très vite puisque on fait pas grand chose en fait. L'idée, en fait, c'est que dans Vertex, il y a des problèmes qu'on ne veut pas résoudre. Typiquement, ces deux problèmes, c'est le class loading. Alors, on en fait un petit peu. Je pense qu'on va même en faire moins avec Java 9. Alors, le problème qu'on veut résoudre, c'est pas le class loading. On ne veut pas résoudre ce problème-là parce que d'autres personnes font du class loading. Et puis, dès qu'on faisait du class loading, ben, on rentre en conflit avec ces autres trucs qui faisaient du class loading. Donc, la meilleure idée pour résoudre un problème, c'est de ne pas l'avoir, hein. Et l'autre qu'on ne veut pas résoudre, c'est l'inversion de contrôle. C'est-à-dire, en fait, voilà, nous, on vous donne du contrôle sur beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses explicites en Vertex. Par contre, on ne fait pas d'injection, ce genre de choses, en fait. Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de l'IOC avec Vertex? Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez utiliser Vertex avec Spring ou avec d'autres mécanismes d'injection de dépendance. Et ça marche très bien, pour peu que vous preniez les précautions liées à tout ce qui est bloquant, non bloquant, en fait. Mais c'est des problèmes qu'on ne veut pas résoudre, parce que c'est autre chose, quoi. On ne sait pas faire. Et puis, on n'a pas envie. Set d'extension modulaire. Alors, je vous ai dit, Vertex, c'est un ensemble de jars. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, si par exemple, vous prenez Vertex Core et vous faites l'accès à base de données, vous prenez Vertex, l'accès à la base de données. Si vous prenez Kafka, vous aurez Kafka qui viendra. Et si vous n'en avez pas besoin, vous ne l'utilisez pas. Donc, c'est relativement facile. Pardon ? Alors voilà, la question c'est est-ce que l'IOC a un impact sur la performance? Je pense que ça peut en avoir un petit, oui. Après, je ne pense pas que ça soit. Alors ce qu'il ne faudrait pas, ce serait utiliser des API de Weld qui sont bloquantes. Ça serait un vrai problème. Après, voilà, Weld, je ne connais pas bien. Mais effectivement, quand on va faire des choses d'injection comme ça, avec des trucs un peu magiques et compagnie, forcément, il y a un petit mécanisme de résolution qui existe par derrière, qui va faire des choses un peu magiques et donc qui va avoir un petit coût à payer. Mais si ce n'est pas bloquant, ça restera que du CPU et ce ne sera pas vraiment problématique. Et puis, si c'est problématique, excédant votre... En général, vous cherchez surtout à optimiser la partie critique de votre application. Bah vous le retirez de la partie critique de votre application. Effectivement, l'autre question, c'est on dit, par exemple, si je fais mon vertical en Ruby avec Vertex ou en JavaScript, ça va être plus lent. Oui, parce que c'est un langage plus lent. Maintenant, mon conseil, ça sera, bah, si vous avez des parties lentes dans votre application, bah, ces applications-là, ces parties-là, faites-les en Java et ne les faites pas en Ruby, en JavaScript, et faites le reste de votre application en Ruby, en JavaScript, si c'est le langage que vous avez choisi. Mais bon, ça, c'est une règle qui est valable pour tout. En général, on cherche à optimiser le hot pass. Voilà, gérer les IO non bloquantes, qu'est-ce qui est intéressant dedans? En fait, voilà, l'idée, c'est qu'on peut gérer beaucoup, beaucoup de connexions avec beaucoup de threads. Et en fait, si vous réfléchissez et que vous avez un serveur qui gère un thread par connexion, si vous voulez gérer beaucoup de connexions, il va falloir beaucoup de threads. Donc l'idée vraiment de base, c'est de découpler
le nombre de threads du nombre de connexions que vous pouvez gérer. C'est-à-dire plus avoir cette proportionnalité qui existe entre les deux. Et donc, si vous gérez ça seulement avec un peu de threads, à la fin, les threads, ça devient plus un problème, en fait. Effectivement, si vous avez un protocole, si votre application a un protocole qui arrive par devant, qui est HTTP, donc là, je parle de concurrence de protocole. HTTP, voilà, c'est un protocole qui est une requête en même temps, ça peut être pipeliné, puis avec HTTP2, ça peut être multiplexé. Puis par derrière, vous avez le protocole de votre base de données, enfin le protocole de votre service auquel vous accédez, par exemple. Alors si c'est du HTTP, ça va être les mêmes règles vont s'appliquer. Si c'est du Redis, c'est du protocole qui est pipeliné. Si c'est une base de données, en général, c'est des protocoles qui sont sérialisés. Après, il existe des protocoles multiplexés qui sont plus efficaces. Mais quand vous penserez en termes de performance, vous aurez à l'esprit quelle est la concurrence de mon protocole d'entrée, quel est celui de sortie. Et si vous avez un thread pool, en fait, bah, votre thread pool au milieu, ça va être juste une énorme potentielle file d'attente où toutes vos requêtes vont devoir être exécutées et donc vont se rajouter là, en fait. Et donc, ça va rajouter de la concurrence qui n'est pas nécessaire. Donc, vous focussez vraiment sur ça et vous pouvez après dimensionner ces choses-là de manière plus... Bah, vraiment en se basant vraiment sur ce que la capacité du réseau, la capacité de vos services en entrée en sortie. Et ça, c'est important. Surtout avec les protocoles multiplexés. Par exemple, avec HTTP1, on s'en fout un peu. Avec HTTP2, comme une connexion peut multiplexer plusieurs requêtes en même temps, eh bien, potentiellement, si vous gérez plus de connexions sur un même serveur, eh bien, cette connexion, elle peut vous donner plus de requêtes concurrentes en même temps. Donc, faut faire un peu attention à ça. Donc l'idée, voilà, c'est de partir des thread pools et donc d'enlever ces goulots d'étranglement qui ne sont pas vraiment nécessaires, en fait, dans ce genre d'application. Et donc ça vous facilite le capacity planning et vraiment focus sur la concurrence. L'autre aspect intéressant, c'est la gestion des services qui sont lents, des connexions lentes, des clients qui sont lents ou des services qui sont lents en back-end. Vous avez parlé au départ de systèmes réactifs. Et là, l'idée, effectivement, c'est que si vous avez, par exemple, un client qui est un client mobile qui est lent, si votre thread il est bloqué à écrire des données pour ce client parce que le buffer est plein et que le client, sur mobile, il a une mauvaise connexion, et ben ce thread-là, il ne va pas pouvoir être utilisé pour faire autre chose dans votre application, en fait. Donc, ça va avoir un impact sur les autres connexions, puisque si ce thread il est bloqué, je ne pourrais pas servir un autre client qui, lui, potentiellement, répond et a besoin de ces données-là, je ne pourrais pas le servir. Aussi, si par exemple, mon client est rapide, mais que mon service, j'accède à une API qui est lente en back-end, si quand j'accède à cette API qui est lente et qu'elle me bloque, eh bien, en fait, je vais avoir, comme avant, je ne vais pas pouvoir utiliser ce thread pour servir quelqu'un d'autre, mais en plus, je ne pourrais pas fournir une réponse au client, en fait. Par exemple, je ne pourrais pas dire au bout de 10 secondes si mon back-end, ça va être, je pourrais le faire, mais ça va être compliqué, parce que je devrais avoir géré deux threads, ça va me coûter encore plus de threads. Donc, au bout de 10 secondes, si au bout de 10 secondes, je n'ai pas de réponse du service, eh ben, j'envoie quand même une réponse au client en se basant sur quelque chose, en fait. Donc, c'est ça aussi ce que ça vous apporte en termes de flexibilité. Donc, en termes de messaging, networking et Vertex, voilà, on fournit. Alors, si vous prenez Vertex Core, dans le core, on fournit HTTP, HTTP2, WebSocket, UDP, DNS, donc des choses de base. Après, dans Vertex Web, on va le voir, on a SOCJS, donc qui est une sorte de. C'est comme des WebSockets, ça utilise par défaut des WebSockets, et puis s'il n'y a pas de WebSocket dans votre client, vous pouvez dégrader à du long polling et ce genre de choses. Et après, d'autres protocoles un peu plus orientés IoT, MQTT, messaging et aussi gRPC, en fait. Alors on en fournit d'autres, Kafka, tout ça, mais je ne vais pas trop en parler. Donc le serveur typique HTTP qui utilise un back-end, donc là c'est un Mongo client, donc je crée mon client, je crée mon serveur, et puis dans ma requête ici, j'utilise mon client pour accéder au serveur simplement. Donc ça, c'est typiquement, beaucoup d'applications ressemblent à ça en général, alors vous remplacez Mongo par autre chose. Puis vous rajoutez un peu d'intelligence et de logique en général, et puis on a ce qu'on appelle des gateways, ce genre de choses. Voilà, donc dans un serveur bloquant, si on regarde un peu ce qui se passe, voilà, j'ai les requêtes arrivent. Alors là, c'est un serveur bloquant, on dit qu'on a deux threads. Le troisième arrive, et là, le back-end n'a pas encore répondu,
puisqu'il est un peu lent, il a une certaine latence. Alors il n'a pas répondu soit parce qu'il est éloigné ou soit parce qu'il est lent à répondre. Hein. Je sais que par exemple, il y a certains back-ends qui sont énormément, qui prennent beaucoup de temps à répondre. 5 secondes typiquement, ça peut arriver. Donc là, voilà, la troisième raquette est arrivée, elle ne peut pas servir. Par chance, le back-end là renvoie la connexion. Donc là, j'ai utilisé ce thread pendant ce moment-là. À ce moment-là, effectivement, je peux maintenant utiliser ce thread pour accéder au back-end. Pendant ce temps, le premier, lui, durait plus longtemps. On renvoie la réponse dans cet ordre-là. Donc on voit que ce n'est pas celui qui est forcément le plus rapide qui sera servi le premier, en fait. Et donc si on part en non-bloquant, donc le même scénario à peu près, on arrive. Là, maintenant, effectivement, je peux servir tout le monde. Et le fait que mon back-end bloque ou pas n'a pas d'impact. Et donc, on voit que lui, potentiellement, il pouvait... Le troisième qui est arrivé, en fait, il avait un temps de service plus court. Et la réponse repart la première, en fait, avant les autres. Et après, donc voilà, donc c'est typiquement ce qu'on peut avoir. Donc, on va faire une petite démo. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Alors, il me reste encore 20 minutes, ça va. Donc, la petite démo, ça va être... C'est une démo... disponible sur mon compte GitHub sous le nom de Vertex Reactive Monitoring Dashboard. Pour son indice, c'est un dashboard de monitoring qui est en 4 étapes. Normalement, on va pouvoir faire 4 d'ici soir rapidement. Donc, la première, en fait, voilà, c'est. Je vais pas faire la FTX, c'est de la démo vraiment, parce que je crois que l'idée, grosso modo, c'est. On a un dashboard de. On a un dashboard qui agrège des métriques et on a des agents qui fournissent des métriques en fait à ce dashboard. Et puis après, on a du simple du JavaScript qui récupère ces métriques et fait un joli graphe. Et donc, on va voir comment on le fait avec Vertex et puis surtout, on va voir comment on peut le faire évoluer de manière différente en fait. Donc voilà, donc la première version, c'est la version polling. C'est une version... Là, je suis en vertical, on voit bien. Ça c'est gros pour vous? Non. Je n'ai pas bien entendu. Grossi. C'est pas de négocier. Ah, je veux aussi. Salut là. Ah ouais. Voilà, donc là c'est une application qui est un peu une application web en fait, un peu HTTP. La différence c'est qu'on va utiliser Vertex Web. Alors qu'est-ce que Vertex Web? Alors si on regarde Vertex Core, il fournit un serveur HTTP, mais Core ne fournit pas, par exemple, faire du routage sur des URI, ne fournit aucun service, ne fait pas de sécurité, pas de gestion de session, genre de choses. Donc Vertex Web, lui, se base sur Vertex, sur le serveur HTTP de Vertex Core et rajoute tous ces handlers un peu à l'ExpressJS. Qui permet de faire une application, un projet assez de sécurité, faire serveur de fichiers, etc. Donc là, en démarrant l'application, je fais un routeur. Et dans ce routeur, en fait, vous voyez, ici, je fais un get. C'est un petit essai, en fait, quand on fait un get, ici, sur ce dashboard, on va binder sur l'URI dashboard mon service. Et aussi, la première chose que je fais ici, c'est que je fais un static handler. Donc ça me permet de servir les fichiers qui sont dans ce webroot ici, en fait. Donc, JavaScript, HTML, on se dit. Donc ça, c'est mon agent. C'est un node vertical très simple qui utilise un TMLin, qui récupère deux métriques et qui crée aussi un serveur HTTP là, sur le port 80-81. Et donc il va mettre ces métriques qui envoient du JSON avec un identifiant et puis le CPU et la mémoire aussi de la CPU en fait. Donc il y a plusieurs matières, je vais lancer comme ça en fait simplement. Vous voyez, j'ai un main ici avec Vertex, je déploie mon vertical. Donc là je lance mon agent. Voilà. Donc, je vérifie qu'il marche avec un petit cœur. Et donc voilà, je récupère ma métrique. Donc elle est là.
Donc ça, c'est un identifiant, c'est ce qui identifie le serveur, c'est un UID que j'ai créé ici. Et puis là, j'ai CPU0 et puis la mémoire, c'est ça. Et maintenant, sur mon serveur, parce que je suis en fait, là, j'utilise le WebFS. C'est un peu comme l'application qu'on a dit avec le template Mongo. C'est la même chose, la différence, c'est qu'on accède à ce backend. Donc on crée le Web Client. Alors, le Web Client, c'est Vertex par défaut, le port fournit HTTP Client, qui est un peu bas niveau aussi. Alors, qui peut fournir plus de flexibilité dans certains cas. Dans le cas des cas, on a besoin de cette flexibilité. Donc, Web Client, c'est un peu ce que Vertex Web. Enfin, le Web Client est à HTTP Client de Vertex, parce que Vertex Web est au HTTP Server de Vertex. Il fonctionnait plus en plus. En l'occurrence, une partie de la fonctionnalité, c'est une usabilité. Donc, je fais. Je crée mon client NS, je fais un send, là j'envoie la requête, et là effectivement je reçois un élément qui est la réponse. AR, ça veut dire synchronous result. Et donc en fait, c'est effectivement, chaque fois qu'une opération synchrone, cette opération peut avoir échoué, peut avoir marché. Donc à chaque fois, on va regarder si ça a marché, si ça a marché en fait. Donc là, si ça a marché, si ça a pas marché, je vais fail. Et ça, c'est le texte web qui va envoyer une erreur 500. Au serveur, au client, et si ça marche, je le récupère et simplement je mets un header et puis j'envoie le body à ça. Et donc là, si je vais sur mon host, mauvais timing. C'est ça. Alors la question c'est effectivement comment quid de la gestion des erreurs. Effectivement, quand on est en asynchrone, la méthode qu'on va appeler ne va plus lancer une exception. Par contre, mais s'il y a une erreur, cette erreur elle va être dans le asynchronous result qu'on a vu, qui va être ça a marché ou ça a échoué. Et oui, c'est ça. Ça, c'est condition sine qua non pour que ça marche. Donc, message passing on the event bus, rapidement. Voilà. Donc, dans cet exemple, comment est-ce qu'on fait communiquer nos verticals? Alors, dans le cas de la démo, on utilise du protocole HTTP, qui est un protocole synchrone. Synchrone dans le sens où c'est peut être non bloquant, mais quand j'envoie une requête, j'attends une réponse en fait. Donc ça c'est notre manière de distribuer des choses. Mais dans le cas de Vertex, voilà ce qu'on fournit, c'est l'event bus. Alors l'event bus, ça a l'air un peu magique, tout ça. Bon, ça n'est pas tant que ça. Mais l'idée de l'event bus, voilà, c'est de fournir plusieurs services. Alors l'idée déjà, c'est qu'effectivement, la première chose, c'est que si on ne fournissait pas l'event bus, comment est-ce que nos verticals peuvent communiquer? Et alors, ils peuvent communiquer en s'appelant. Par exemple, je pourrais prendre mon vertical, faire un statique, et puis dans ce statique, enregistrer mon vertical, et puis l'autre vertical pourrait le trouver, et puis l'un pourrait appeler les méthodes de l'autre, en fait. Et là, le problème, c'est que vous allez voir comment ça gère des problèmes de concurrence, c'est-à-dire dans le sens où, là, de synchronize, c'est-à-dire si mon vertical qui est sur une event loop appelle un vertical qui est sur une autre event loop, je vais devoir commencer à mettre mes champs, soit de mettre des mots-clés synchronize, ou mettre des volatiles, ce genre de choses. Et ça, on a vu que c'est ce qu'on ne veut pas faire. Ensuite, il y a la synchronie, c'est-à-dire si j'appelle quelque chose, je veux qu'il soit non bloquant, je veux avoir cette garantie en fait. Et je pourrais appeler une méthode qui est bloquante et me tromper, ce genre de choses, parce que c'est une méthode que je ne connais pas, mais par contre je dois l'appeler. Donc l'idée de l'event bus, c'est de résoudre ce problème-là, effectivement. Plutôt que d'appeler des méthodes, on va envoyer des messages et attendre des réponses. Alors on peut qu'envoyer des il y a plusieurs paradigmes, on va le voir rapidement. Et l'idée, voilà, c'est que j'envoie des messages sur une adresse. Alors qu'est-ce que l'adresse? C'est juste une chaîne de caractères arbitraire.
que vous choisissez. Il n'y a pas de wildcard magique qui vont faire que ça va marcher. Alors on nous le demande souvent, mais on dit non en fait. Parce que ça nous ferait rajouter du code et des bugs. C'est vrai, hein, c'est ça. Des fois, il faut savoir dire non. Donc là, dans notre cas, voilà, on envoie un message. Notre HTTP vertical envoie un message à l'event bus. L'event bus, lui, va redispatcher ce message sur le database client vertical. Lui, va faire son job. Et après, une fois qu'il a la réponse, il va faire un reply. Il va répondre au message. Donc là, on est sur un paradigme de requête-réponse. Donc, et va renvoyer les données au HTTP vertical. Alors là, ça peut être du JSON. Si vous faites que du Java, ça pourrait être du Java en fait. Par contre, l'event bus, lui, quand il vous a envoyé des données, il va faire attention à ce que l'objet que vous renvoyez, il puisse être. S'il est immutable, il va être transmis tel quel. S'il est mutable, il va être copié pour que l'autre thread puisse le lire et avoir des garanties sur ça, en fait. L'autre idée de l'event bus qu'on va voir aussi, effectivement, c'est que on peut faire du point-point et du publish-subscribe. Donc, vous avez plusieurs manières de faire. Donc, point-point, c'est on envoie un message à quelqu'un. Donc, on envoie sur cette fameuse adresse et on attend une réponse potentiellement ou pas. Et publish-subscribe, si on envoie une réponse, et ça fait du broadcast. C'est-à-dire que tous ceux qui sont enregistrés sur cette adresse vont recevoir le même message. Et l'autre idée aussi de l'event bus, c'est tout à l'heure, on a vu la notion de round robin sur les connexions HTTP qui arrivent et sur les requêtes qui arrivent. Et l'event bus, effectivement, si on déploie 10 workers vertical, dans le cas d'avant, chacun va être enregistré sur la même adresse. Et là, quand Vertex va passer un message entre les deux verticals, comme il y a 10 verticals enregistrés, il va aussi faire du round robin et choisir les choisir un par un, en fait. Et donc faire répartir cette charge. Et l'event bus, les enregistrements sont dynamiques, en fait. Donc vous pouvez en rajouter, en enlever, et donc avoir de l'élasticité, en fait, à ce niveau-là, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc vous pouvez voir aussi l'event bus comme un système qui permet d'échanger des messages entre des event loops, simplement ça, en utilisant des noms. Et les noms, c'est les adresses dans l'event bus. Donc l'event bus, comme j'ai dit, voilà, ce qui est intéressant aussi dans l'event bus, c'est que quand votre application utilise l'event bus, que ça, en local, c'est optimisé, ça va être juste être un passage de message d'une event loop à une autre. Par contre, ce qu'on va voir dans la démo, quand vous déployez Vertex en mode cluster, les nœuds vont se trouver et là l'event bus va envoyer les messages d'un nœud à l'autre en fait. Donc vous allez pouvoir distribuer votre application. Par exemple, vous avez envie de scaler cette partie-là, vous avez besoin de plus de serveurs, bah, vous la mettez sur plusieurs verticals. Et donc là on touche vraiment à la partie système distribué, Reactive Systems, dont j'avais parlé dans l'introduction en fait. L'autre chose intéressante avec l'event bus, c'est qu'on a des bridges. Alors qu'est-ce qu'un bridge ? Un bridge, c'est simplement un petit serveur avec un protocole. Alors on a deux bridges, on a le bridge SOCJS. Et ce bridge, en fait, il va relayer des messages de l'extérieur à l'event bus. Et ça, on va le voir aussi dans la démo. Et on a un autre bridge qui est le bridge TCP, qui est la même chose, mais avec le protocole TCP. Donc après, vous pouvez faire votre propre bridge facilement. C'est relativement facile, hein. Alors, déjà, quand on va le voir dans la démo, quand on crée un bridge et qu'on le déploie, on peut dire quelles URL, par exemple avec SOCJS, on va dire quelles adresses sont permises en fait, et en entrante et sortante. Donc ça, c'est plus du contrôle d'accès. Et ensuite, c'est vous, quand vous faites le bridge, soit vous utilisez le client authentifié ou pas, parce que le bridge, c'est une partie de Vertex Web en fait. Le bridge SOCJS. Donc comme c'est une partie de Vertex Web, vous pourrez ajouter des handlers de sécurité de Vertex Web, comme par exemple du HOT, ce genre de choses, du JWT, ce genre de choses. Et ensuite, quand vous regardez l'Event Bus Bridge qu'on a, l'Event Bus Bridge a une sorte de notion d'intercepteur, d'event, par exemple, quand quelqu'un souscrit, quand quelqu'un envoie un message, publie un message. Et quand vous avez cet event qui arrive, vous pouvez faire du contrôle d'accès à ce moment-là et dire non, je ne veux pas que cet événement aille dans l'event bus. Et s'il ne va pas dans l'event bus, le client va avoir sa connexion terminée, par exemple. Donc le système d'event permet de faire des choses de réactives un peu, de réagir à des événements, mais aussi de faire du contrôle d'accès et de la sécurité. Pardon ?
Ah bah ça c'est quand vous comment qui se connecte, n'importe qui peut se connecter. C'est à vous quand vous faites votre serveur, quand vous déployez le bridge, qui est un serveur HTTP, c'est à vous de de sécuriser ça. On va pas, c'est pas magique. Bah, par contre, c'est juste un serveur HTTP à sécuriser. Hein. C'est pas la mort. Donc les bridges, on en a donc dans plusieurs langages. Donc ça c'est sympa parce que ça permet de faire de l'interop rapidement. Donc on a en Go, Python, C, JavaScript, Swift, C#. Et pour la partie distribuée, j'ai oublié d'en parler, effectivement, on a Hazelcast, Ignite et InfiniSpan qui sont des cluster managers. Alors les cluster managers, Vertex lui-même ne gère pas la partie cluster en fait. Par exemple, comment les nœuds se trouvent entre eux, nous on ne gère pas. On le délègue à une technologie de clustering. Et donc après vous avez le choix entre ces différentes en fait. Hazelcast, on la met en premier parce que c'est la solution historique qui était là depuis le début, depuis 2012. La solution InfiniSpan est beaucoup plus récente puisque Red Hat, InfiniSpan est développé par Red Hat. Et donc, il y a des développeurs aujourd'hui qui travaillent sur cette intégration-là plus poussée, en fait. Voilà, quand on envoie un message, qu'est-ce qui se passe dans le message? On met des 5 minutes. Ok, j'ai plus que 5 minutes, donc je prendrai un peu de temps pour finir après. Hein. Je crois qu'on a un peu de temps. Donc je vais finir rapidement sur ça et après on commencera la démo avec, je ferai la démo avec l'event bus. Puisque là on finit sur la partie event bus. Donc qu'est-ce qu'on a dans un message? On a des headers. Les headers c'est à vous, ils sont configurables, donc vous pouvez utiliser ces headers pour transmettre des informations en plus de l'enveloppe du message en elle-même. Des delivery options, c'est-à-dire par exemple le timeout, le body, et l'adresse et la reply d'adresse, et si vous devez vous répondre. Voilà. Donc si on fait un request response, j'envoie un message et je donne en même temps un handler pour recevoir une réponse. L'autre va envoyer une réponse et donc je vais recevoir un message. Et après, on peut avoir des conversations comme ça distribuées entre différents message consumer et message producer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme message? Des types primitifs. En général, on dit du JSON, voilà, parce que surtout si vous faites une application polyglotte. Maintenant, si vous avez des objets que vous voulez les mettre, vous pouvez. En fait, l'event bus a des notions de codec en fait. Donc si vous avez votre objet, vous rajoutez votre codec et votre codec sera capable de. En fait, ce qu'il doit faire, c'est encoder sous forme de byte l'objet et le décoder en fait. Donc voilà donc un petit exemple de code. Là c'est un consumer. Donc je crée mon consumer sur ping address. Et lui il va recevoir un message et il va répondre, Pong. Et là c'est mon. Donc je récupère l'event bus. Là, je fais une tâche périodique qui envoie un message. C'est périodique, c'est comme en JavaScript, c'est comme cet intervalle en JavaScript. Donc, j'envoie un message, ping, j'attends une reply. Et si la reply a marché, donc j'ai reçu ma reply, sinon ça n'a pas marché. Alors pourquoi est-ce que ça aurait pu échouer ici? Ça aurait pu échouer, par exemple, si j'envoie un message à quelqu'un, parce que là, je fais un send, je m'attends à ce qu'il y ait au moins un destinataire. Donc si je faisais un send et qu'il n'y avait pas de destinataire, j'aurais un timeout à un moment donné qui ferait. Alors si c'est en local, j'aurai une réponse tout de suite qu'il n'y a pas de destinataire. Et puis, si c'est en distribué, j'aurai un timeout qui fait que je n'ai pas reçu de réponse. Donc, je dois gérer l'erreur ici, en fait. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Et puis, on continuera après.